Chapitre 6 sur 9 ou 10, Emma, si je dis pas de bêtises. J'avais oublié qu'il existait Jacob. Ah, merde. Oh, une vieille. Mais... c'est Madame Feu. McGonagarg. Ouais. Jacob. Yacoub. Emma, c'est toi. Ah, apparemment, il y a plusieurs personnes qui connaissent Decarnation. Je suis tombé dessus il y a quelques temps, mais j'ai jamais rien vu dessus. Donc je me suis dit, autant tester. C'est bien, ça me réconforte. On va peut-être passer à un jeudi et un vendredi sympathique. J'ai oublié qu'il était à moitié à poil. Ouais, lui, depuis un moment. Hein. Je sais pas s'il va se rhabiller un moment. J'ai 5€ le pack de vêtements pour les personnages. Hein. Je rappelle. Oh. Faut mieux pas tomber. Finement observé. Trou de cul. J'ai payé un pack de vêtements années 50, 5€. C'est pas pour que le personnage se promène en slip tout le long de la run. Hein. Je vous le dis. Hein. Ah, mais c'est là qu'elle était, Emma, en fait. Mais oui. Putain, mais ça veut dire que le chour, c'est encore ici, peut-être. Ça, c'est mauvais signe. Putain de merde. Je trouve les fringues originaux plus sympas en plus. Ouais, non, on va dire qu'ils sont vraiment nuls à côté. Comme ça, ça me fait pas trop regretter, quoi. Ok, l'appareil photo d'Emma. Là, il va hurler Emma. Voilà, bien joué, Nalf. Oh, carte mémoire. La carte mémoire d'un appareil photo sale et cassé perdu dans les bois. Il y a peut-être un truc là-dessus. Il y a peut-être un truc là-dessus. Slip des années 50. Ouais, ils lui ont peut-être mis un slip des années 50 en vrai. Hein. Ouais, c'est possible. Pourquoi je peux encore interagir avec? D'accord. Je trouve ça dommage qu'on puisse pas marcher plus vite dans le jeu, quoi. Dans le caleçon. Ah, j'avoue, la carte mémoire, il se l'est rangée dans le fiac. Ça, c'est quoi ça? Des fleurs. Tout ce qu'il y a de plus banal. Mais Emma Karena, elle a laissé un chours derrière elle, j'ai pas envie de le croiser. Non. Ok, ça pue. Ok, ça pue. Nerveux, tu m'as fait peur, ravi, content de te voir. Non mais j'en ai marre, il fera plus jamais le canard avec Emma. Nerveux. C'est plus le moment en plus. Oh merde. Merde. Oh là, tu m'as fait peur. Jacob. Tu vas bien? Ouais, on peut dire ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Écoute, j'en sais rien, d'accord? Un genre d'ours a attaqué Nick et Abby là-bas. Ouais. Aussi, un ours, clairement, hein. Clairement, c'était pas un ours. Quoi? Qui? Quand? Pourquoi? Pardon, je suis juste... content que t'ailles bien. Ouais, vous m'énervez. Vite fait. Parce que la bête qui m'a attaqué, on aurait dit... un ours. Quoi? On aurait dit quoi, Emma? Comme un truc de film d'horreur. Ok, bon ben, c'était probablement juste un ours qui voulait se défendre, pas vrai? Non, joue pas au con, je te dis que c'était pas un putain d'ours. Bon, d'accord, d'accord. Et maintenant, on a ces putains de chasseurs qui rôdent de partout comme s'il nous manquait plus que ça. C'est eux qui m'ont fait ça. Y a même plus de peanut butter butter pops. C'est vrai, ça? Ah, ça dégoûte. Ça fait beaucoup de sang. Oui, mais c'est pas le mien. Faut que je te dise un truc. Tu refoules.
D'accord. On s'en fout pour l'instant. Ok, il faut qu'on sorte de cette forêt. Ouais, sans déconner, Sherlock. Tu sais, Jacob, t'as pas non plus besoin d'être un connard en permanence. Chez certains, c'est un passif, hein. Ça va, Tali ? Pourquoi tu miaules ? Peut-être parce que t'es un chat. Désolé, merde, pardon. Défense, j'essaie juste de nous garder en vie. Défense ! Hé ! J'essaie juste de nous garder en vie ! Je me débrouillais pas si mal toute seule. Quoi ? C'est grâce à moi. J'ai pas besoin que tu viennes me sauver. Je vais pas subitement tomber amoureuse de toi parce que tu joues au chevalier blanc. Oh, quelle connasse. Tu sais, je serais même pas étonnée que ce soit toi qui aies tout organisé. Oh, quelle double connasse. Quoi ? Chut. J'ai entendu un grognement, hein, c'est pas fou. Hein. Wow, wow ! Comment ça court ? Mais... On a un répulsif à choufre, hein. À choufre. À chours. Oh la dégaine. T'es mal à dégaine. Ah. Pardon. Pardon. Ah oui, juste pardon, quoi. Putain, putain, putain. Tali, qu'est-ce que tu fais ? Se cacher ou courir ? Comment ça? Oh, la tête de sanglier! Mais qu'est-ce qu'elle foutre ici? Et pourquoi faire? Mais Tali! Pardon! Putain! Ah! C'est pas vrai! Ah! 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 Se dégager, écarter. Alors, pro tips, si jamais ça vous arrive, évitez de tirer sur la jambe, hein? Parce que vous risquez de. Bah, de faire pire que mieux. Je vais essayer d'écarter, mais je pense que écarter, c'est mort, hein. Malheureusement. Merde ! Putain ! Moi je me dis que s'il essaye à tout prix de s'enlever, il va. Ça va faire pire que mieux, garçon ! Ça va faire pire que mieux, garçon. Oh ! J'ai des dégâts. Super. Excellent. Le trappeur de DBD, ouais de fou. Petit update en ce qui concerne le jeu que Supermassive Games sont en train de préparer en collaboration avec les développeurs de DBD qui se passera dans l'univers de DBD. La rumeur court comme quoi en fait ce serait un mode solo de DBD sur lequel Supermassive Games travaille. Moi, là-bas, je pensais que c'était un espèce de Dark Pictures-like dans l'univers de DBD. Mais on n'est pas sûr, finalement. Ce sera peut-être juste un mode solo. Ce qui m'irait très bien aussi, d'ailleurs. Du moment qu'on a un truc solo dans DBD, ça me va. Mais voilà, tout ça pour dire que ce sera peut-être pas un jeu, mais peut-être un mode. Ça peut être tout aussi bien. Exactement, ouais. Je suis d'accord. Elle est avec. C'est pas le shérif du début. Non, c'est le vieux... C'est le vieux qui joue dans Alien 2. Empathique, rationnel. Comment ça, empathique? Est-ce qu'elle va... Attendez, est-ce qu'elle va demander à la personne morte dans la piscine si ça va? Il faut que je le sache. Tout va bien? Je sais pas qui c'était. Ok, non, c'est bon. Je l'avais jamais vue avant. Lundi. Moi non plus. Mais elle... Bah elle, on connaît pas, hein. C'est Kaylee Hackett. Ah ! La fille de Monsieur H ? Elle est rentrée avec son frère. Kaylee. Ouais. Oh. Je croyais aussi. C'est la fille de Monsieur H. Et merde. Pauvre Kaylee. Nick ! Ouais, tu comme tu dis. Bon. Oula ! Interviens de rire !
Je vous dérange pas? Essaie de te calmer un peu, hein. Oh, la gueule, Kathleen. Hé ah. Hey. Faut arrêter, hein. Nick, qu'est-ce que tu... Faut arrêter. Je veux te goûter. Hé hey. Viens là. Oh, Nick, arrête ça. Arrête. Faites un truc! Attention, Gessie, arrête! Mais vous allez regarder encore longtemps? C'est pas nager ou... Est-ce que ça va? Je voulais juste qu'il arrête. Réconforter Abby et aider Nick. Bah, je vais aider Nick parce que j'ai pas envie de perdre le perso, même si je pense qu'il est sur une pente un peu glissante. J'ai l'impression qu'il se transforme en chours. Hein. Ouais, il se transforme en chours, Nick. Je le tiens. Le chours chou Nick. Alors, apparemment, les chours n'aiment pas l'eau. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? T'inquiète, c'est pas de ta faute. C'est à cause de l'autre débile Ross. J'en sais rien. T'approches pas trop de lui, s'il te plaît. Genre vraiment, hein. Ok, on l'emmène dans le pool house. Faut qu'il sèche. Dans le pool house. J'ai mal à la tête et aux yeux, j'en ai marre de ma vie. Chut. Repose-toi. Merde. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça commence à être tendu, cette histoire. Hein. Arrête de bouger comme ça. Lui, ça va, il a pris un... Enfin, ça saigne plus. Mais il a pris un Doliprane depuis... Ah non, ça arrête de faire effet, là, tout doucement. Merde. Bon, c'est tout ce qu'il me reste de l'infirmerie. Oh, cool. T'as plus qu'à espérer qu'on trouve de l'aide avant que ça fasse plus effet. Il faut qu'on garde une trace de tout ce qui se passe, ok? Pour la police. Ouais. Là, c'est l'armée qui faut appeler. On va expliquer la fille morte dans la piscine. Hé, on se calme. Non, mais des photos ou ce qu'on peut. J'ai juste l'impression que les flics vont avoir du mal à croire tout ce qu'on leur racontera si on n'a pas de preuves solides. Bon, maintenant, si vous avez votre téléphone et que vous voyez un truc, prenez une photo ou une vidéo. On a que ça à faire. Ça ira pour toi, Abby. Et si t'essayais de trouver quelque chose pour que Nick soit mieux installé, qu'est-ce que t'en penses? Les chats sont en train de défoncer mon paravent. Le paravent, il va en avant, en arrière. C'est la danse de la galère. Nick, on va... Mais c'est pas vrai. Hein. Et voilà, je t'attrape. Depuis tout à l'heure, vous faites les cons, là. Mais qu'est-ce que vous faites? Désolé, je me fais attaquer. On va aller voir Nick. Hein. Là, c'est mieux. Oh la gueule! Merci. Hey. Ok, bon, bah Nick, c'est pas la grande forme non plus, quoi. Les trois là, Osef, je sais même plus ce que je suis en train de foutre ici. Peut-être pouvoir trouver une petite carte, non? Une petite carte, ce serait cool. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une phase de gameplay. Combien de temps va-t-elle durer celle-ci? Ce qui est bien, c'est que c'est pas sombre. On voit bien où on va et pourquoi on y va. Je fais toutes les pièces, hein, je m'en fous. Et ben voilà, j'ai tout fait. C'était bien. C'est vrai que c'est sombre. Hein. Putain, on a même plus de fusil en fait, j'y pense. Arrêtez les chats! La folle de Hackett Squarry. Dessin effrayant. Au milieu du bric-à-brac de ces objets trouvés. Il y a un dessin griffonné d'une femme dans les bois. Ces histoires de fantômes semblent avoir fait forte impression auprès des enfants de la colo. Mon différent, il y a 12 heures.
Je sais plus si on avait eu le choix d'amputer Nick. Non, parce que Nick s'est fait... En fait, Nick s'est fait grignoter de partout dans les bois, le pauvre. Pas de chance, hein. Par contre, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait le tour. Je vais lui reparler pour voir. J'en ai vu des mecs qui étaient pas en forme, mais lui, il est pas en forme du tout, hein. C'est un Covid sévère. Écoutez les potos, j'ai fait le tour. Je suis au regret de vous annoncer qu'il n'y a absolument rien d'intéressant. Ah ouais, attendez deux secondes. Je me demande où est Caleb. C'est qui Caleb? Ah oui, putain, c'est vrai qu'avec Kylie... Bah du coup, vous voyez, c'est la meuf au milieu de la photo qui était morte dans la piscine, là, voilà. La fille de Monsieur H, Kylie. Bah voilà, elle est morte. Et il reste Caleb. Qui du coup doit aussi être un chours quelque part dans le coin. Une trace de l'histoire récente du camp. On y voit un jeune Ryan heureux aux côtés des enfants de Chris Hackett, Caleb et Kylie. Oui. Ryan, il est très proche de la famille. Hein. Ryan, il nous dit pas, il nous fait croire que la ligne est coupée. Il nous prévient pas quand il envoie un à l'extérieur. Ryan sent mauvais du cul. Eh, hey, il y a un truc pas normal avec Nick. Jure. Ouais, il est vraiment mal. Vous avez vu comment il a flippé dans l'eau? Je me souviens d'où il y a une carte on ici. Aurait dit... Ah merde, j'ai pas vu le message. Mais hors de l'eau. Non? Ouais. Non. D'ailleurs, il y a eu un truc bizarre quand j'ai essayé de nettoyer ses plaies. Au chalet. C'est-à-dire? Bah, ses fringues étaient pleines de sang, mais j'ai pas trouvé de traces de morsures. De griffures ou rien d'autre. Il était... très agité, il voulait me cacher la gravité de ses blessures, je crois. Huh. La rage? Non, il bave pas du tout. Je crois qu'Abby serait pas d'accord. Ouais. Abibi. L'aquaphobie, c'est pas un symptôme de la rage? L'hydrophobie, ouais. Mais je crois que c'est plus la peur de boire, pas d'être mouillé. Il ressemblait à... à mon chat dans la baignoire. Oui, c'est vrai. Bien vu. Je pense pas que ce soit la rage. Hein. C'est la choursite. À part le jeu qui te backseat, t'inquiète. Oui, oui, clairement. C'est clair que les cartes, finalement... Je peux te poser une question? Bien sûr. Est-ce que je te plais? Bah disons que là, actuellement... Abby, c'est quelqu'un de gentil et calme. On va rester dans cette ligne éditoriale, on va dire. Mais Nick, dans cet état-là, il me plaît moyen. Voilà, on va dire ça. Nick. Dis-moi. Allez, réponds. J'ai passé des super moments avec toi cet été. C'est vraiment... C'est vraiment... quoi ? C'est une réponse pour rien dire. Oh là là. Abby. Quoi? J'ai quelque chose à te demander. Est-ce que je peux te goûter? Est-ce que je peux te mordre? Okay. Je t'écoute. Pourquoi tu m'aimes pas, Abby? Mais qu'est-ce que tu baragouines encore? Empathique, je t'aime bien. Inquiète, tu as changé. N'en sois empathique jusqu'au bout. Garde ta ligne, édito. Nick, mais si, je t'aime bien. Non, c'est faux. Bon, tu il commence, pas du tout. Commence à me péter les couilles. Mais si, enfin. Dis-moi la vérité. Mais c'est la vérité. Oh, merde, je me suis encore fait avoir. Oh, ça va mal finir, ça. Pue. T'es pas une lumière, avoue. Arrête! T'es une bonne poire. Une proie facile. C'est pas toi. T'es pas comme ça. Je... Oh! Oh, Bibi! Oh, Abby! Abby, est-ce que ça va? Oh putain. Putain, on dirait un personnage de Jailas Art. What the fuck, la tête?
Non. Eh oh. Oui, oui, tous les jours. Oula, ouh. Non. Techniquement, il est pas mort, le perso. Il est pas mort. Ça compte pas comme une mort. Hein. Ça compte clairement pas comme une mort. Un mort, ça saute pas par la fenêtre. Enfin, si, mais avant d'être mort, du coup. Mais où ils sont tous passés? Passe terminale de la Chourcite. Bon. Il est pas mort. Il est pas mort pour l'instant. Il est pas mort. Ok. Bon. Si j'étais monitrice... Pourquoi c'est pas elle qui a explosé ? Dans une colo hors saison, à traîner près d'un feu de camp, et qui se mettait à pleuvoir, et qu'il y avait des monstres, moi, j'irais... au chalet. Waouh ! Mais non! Genre, comme on devait faire depuis le début du jeu. Il en reste qu'un. Qu'est-ce que c'est? Oh, des feux d'artifice. Oh, bordel de bite. C'est ça, hein, c'est les feux d'artifice. Il y a peut-être un truc dans la tente, hein. Bah, si possible, un truc qui va pas me manger. Ok, on peut pas, tant pis. J'ai des feux d'artifice. Sur la vie de ma rasque, si je m'en sers pas bien, la run s'arrête. Elle a quand même dû beaucoup réfléchir pour se dire faut que j'aille au chalet. Faut quoi. Que je parte ici. Il y a un chourse. Pourquoi t'as commencé à courir et maintenant que j'ai le contrôle, elle court plus? C'est chiant. Je vais pas m'emmerder à chercher des cartes, hein. Je vous le dis tout de suite, là il faut rentrer à la maison. Totalement pro-gamer. Totalement. Super. Demain je vais vous sortir un montage. Je vais vous sortir un montage sur Insta. Et Twitter peut-être, mais surtout sur Insta. D'un extrait de ma première run et d'un extrait de cette run. Et vous allez constater quelque chose. Je n'ai absolument pas changé ou mûri ou quoi que ce soit en un an. Et vous allez voir. Je m'en suis rendu compte. Aujourd'hui en regardant ma première run. Enfin, j'ai pas regardé ma première run en fait. J'étais allé voir sur ma première VOD la qualité du jeu par rapport à aujourd'hui. Parce que j'avais des soucis de PC. Et je confirme que ma première run sur le jeu était dégueulasse. Hein. Il y avait des lags toutes les deux secondes. Les graphismes étaient en moyen. Enfin, ma cam était... bon, pas si différente, mais bon quand même. La seule différence, c'est qu'il devait y avoir 10-15 kilos en moins sur le streamer, quoi, c'est tout. Mais vous allez voir que mentalement, je n'ai pas changé d'un iota. Hein. C'est bon, on les voit venir à 15 km, vos trucs là. Mais j'ai pas eu peur en plus, c'est faux. Chut, Bobby. Fais pas ça. S'il te plaît, c'est que... Bobby! Tu sais ce qui se passera. Oh! J'ai encore jamais fait ça, papa.
Oh merde. Fuir? Non, pas fuir, faut rester avec eux. Faut rester avec eux parce qu'ils pourront me protéger. Si je fuis, je suis dans une merde. Non, si je fuis, je suis dans la pire merde de l'univers. Ils font chier, ces gamins. Quoi, Fiston? Ça me dérange pas qu'ils me trouvent. Stop! Arrête de gigoter! Donne-moi la seringue. Elle a été mordue? Pas. Comment veux-tu que je le sache? J'en sais rien. Non, non, je suis pas mordu, je suis pas mordu. Non. Lâchez-moi tout de suite! Mais putain! J'ai pas demandé à faire ça! Oh non. Allez. J'ai littéralement demandé au jeu de pas fuir. Et au final, 30 secondes plus tard, je fuis! Mais pourquoi tu fais ça? J'aurais pas dû faire ça. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi je suis un connard? Le jeu m'a déstabilisé en faisant ce que je voulais pas. Abby! Abibi. N'hésite pas à fermer la porte, hein. C'est pas rassurant. Ferme la porte, hein. Abby? Le jeu joue tout seul. Ryan? Si Emma meurt, on t'en voudra pas. Non, c'est sûr. Je m'en voudrais si Emma était la seule survivante. Mais bon, dans l'idéal, j'aimerais bien que tout le monde survive. Bon, Nick, ça va demander une sacrée dose de Doliprane pour le guérir, là. Antibiotiques, je pense. Quelques injections. Bon. Ouais, je sais, tu dois être choqué, hein. Peu cher. Je crois pas que ce soit en général, de ta faute. Les gens morts, ça saute pas par les fenêtres pour s'enfuir dans les bois. C'est ce que je viens de dire. Enfin, ce que je viens de dire. C'est ce que j'ai dit il y a 10 minutes. Ou 5. Il est pas mort. Donc ça va. Angoissé, rassurant. Rassure. Abby, il allait te faire du mal. Tu t'es juste défendu. Non, mais... J'en suis pas aussi certaine. Moi si. Non. Non! C'était lui ou toi. Et ça, c'était clairement pas lui. Putain, mais quelle merde. C'était lui, malade. Tranquille, ça va bien se passer. Oh putain. Bordel, où est passé Chris Hackett? Laura? Ah oui, Laura, c'est la meuf du... Ah oui, d'accord, ok. Bon, ok, je m'en souviens, mais je vais rien dire. Alors... suspicieux, effrayé, suspicieux. Qui est là? J'ai besoin d'aide. Pitié. Vous êtes qui? Je m'appelle Laura Kearney. Et? Et ouvrez-moi, c'est dangereux dehors. Ouais, il y a une tarée avec un flingue qui bute des gens. Je n'ai Laura qui... tué personne. Oh merde, non. Laura Kearney, t'es Laura Kearney? Oui. T'étais censé travailler, t'étais censé aider à l'infirmerie, non? Et t'es jamais venu. Toi et l'autre gars, qui déjà? Voilà, Laura qui est derrière la porte, c'est la meuf du début, là. La blonde. Max? Ouais, Max, voilà, c'est ça. Monsieur Hackett a dit que vous aviez changé d'avis au dernier moment. Je crois qu'on devrait l'écouter. Dedans. Ouvre la porte! C'est Laura! Okay. Elle est sympa, Laura! Je vais ouvrir la porte. Je dis pas de bêtises. Les mains en l'air, ok? Ok. Oh
Laura Big Boss, hein. Je me demande comment elle a perdu son œil. Ah, vous n'avez pas trouvé les cartes. Comme nous nous retrouvons. Rien que vous et moi. Et si nous regardions de plus près ce que vous avez trouvé? Non, regarde. Faites ton choix. Avez-vous bien cherché? Ces cartes ne sont pas que des babioles. Vous devriez l'avoir compris. Elles peuvent vous aider. Je peux vous aider. Non! Bien, allez-y. Hop, hop. Une de moins, rappelez-vous. Et pourquoi j'ai plus de son dans... dans le côté droit, là? Elles peuvent vous backseat, les cartes. Alors, pourquoi vous êtes pas venu? Vous étiez où pendant ces 2 mois? On est arrivé un jour plus tôt. C'était pas une bonne idée. Non, je m'en souviens. C'est pas une bonne idée du tout, même. Petit flashback? Commence pas à me montrer des flashbacks. 25 juin. Donc ça, c'est après qu'on se soit fait seringuer le cou. Donc c'est bien, c'est après que le flic nous ait chopé, au début du jeu. C'est bien de savoir ce qui s'est passé, quoi. Max! Max, que je me suis fait chier à aider pour rien, hein. À plaire. Max! Max! Viens là. Allez! Rentre là-dedans. Dépêche-toi. Les sous-titres, ils spoilent un peu. Meilleur chapitre du jeu pour moi. Ça me dit quelque chose en effet, mais je m'en souviens plus. Oh! Ah bah super. Je crois que Max a explosé du coup, comme Nick. Saleté de gamin. Qu'est-ce qu'on pouvait en savoir du cul? Neuf heures du mat, donc le lendemain de quand on s'est fait choper. Qu'est-ce que vous avez fait à Max? La ferme. Super. Vous pouvez pas... La ferme! Super. Je vais poser des questions. Et vous, vous répondrez. Il faudrait vraiment qu'un jour je fasse un Dark Pictures ou n'importe quoi comme ça en VO. C'est pour vous que je l'ai fait en français, moi, ces jeux. Hein. J'adorerais les faire en VO avec la vraie synchro labiale, en vrai. Non. Pauvre con. On va être obéissante. Elle, au début du jeu, je l'ai faite super gentille et conciliante, on va dire. On va essayer de suivre un peu cette... cette DA, cette ligne édito. Laura Kearney. Avec qui vous êtes et quel est son lien avec vous? Max Brinley, c'est mon copain. En fait, moi, je pars du principe que s'il y a des chourses et des mecs qui chassent les chourses, ben, il faut être sympa avec les mecs. Voilà, tout simplement. Parce que c'est pas le chourse qui va nous aider, quoi. Où alliez-vous hier soir? À la colo de Hackett Squarry, vous savez déjà. Qu'est-ce que vous avez fait à Max? Non. Je pose les questions, vous répondez. Et c'est comme ça que ça marche. Obéissante. Ok. Vous voulez quoi? Ah. Eh ben... Pourquoi vous alliez à Hackett Squarry? Max et moi, on est moniteurs.
Bon, arrêtez. Le mixage est nul. Les moniteurs qu'aujourd'hui. Je vous l'ai dit, on est arrivé en avance, on s'est dit qu'on irait voir le camp. Le pire, c'est que c'est vrai. Pourquoi ne pas aller au motel, comme je vous l'ai dit? Mais parce qu'on était beaucoup plus près du camp et fauché. Le shérif de North Kill. 668. Agacé? C'est un signe de shérif ne vaut pas grand chose ou intrigué? Ok, shérif. Ok, shérif. Ok, shérif. Hackett. Hackett comme. Chris Hackett? Ne change pas de sujet. Comme Chris Hackett, oui, comme Monsieur H. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici. Tu n'imagines même pas. Vous vous êtes fourré dans un gigantesque merdier nucléaire de catégorie A, jeune fille. Et la seule option, c'est de la boucler et de faire ce que je dis. Est-ce que c'est clair? Après, tu parles mal, ça m'énerve. Ouais, arrête tes intimidations, par pitié. Pitié? S'il vous plaît, arrêtez de vouloir m'intimider et dites-moi plutôt ce qui se passe. Est-ce que Max est vivant? Oui, j'aimerais savoir, est-ce qu'on est toujours vivant quand on devient un chours? C'est pour un ami. Il s'appelle Nick. Quoi? Super cool! Attaquer? Non mais... Non mais le jeu veut vraiment que je fasse que de la merde en fait. Le jeu m'incite à me foutre dans la merde tout seul. Je suis pas dupe. Avance. Je suis pas dupe. Hé hey. Oh. En slip. 5 euros hey, le pack. Vous, connard. Vous allez nous dire ce que c'est que ce bordel? Max! Je sais que vous m'entendez! Mais attendez, mais Max, il avait explosé en chourse! Donc ça veut dire que quand tu exploses en chourse, t'es pas mort! Tu peux revenir à ton état normal. Donc j'ai pas perdu Nick, donc on n'a pas encore de perso mort. Et voilà. SCQFD, super. Très content. J'ai mal au cul. Merde! Je vais peut-être pouvoir trouver. Je sais pas moi. Un vaccin AstraZeneca contre la chourcise. La chourcite. Préoccupée, méprisante. Préoccupée. Max, est-ce que ça va? Du coup, ouais. Nick va revenir au matin? On l'espère. Enfin, je suis un peu en vrac, mais... Si on atteint le matin. Plus ou moins intact, je crois. Laura? Ouais. Pourquoi je suis à poil? Quoi? Eh ben, ça on s'est fait attaquer. Question à se poser. Et après, je me suis réveillé dans une cellule et sans toi. Et à poil. Maintenant, t'es là et je j'ai plus mes fringues et il y a du sang et des trucs partout. Qu'est-ce qui s'est passé, putain? What happened? Suspicieuse, il voulait que j'avoue, déçu, j'espérais que tu le saurais. Déçu. J'espérais un peu que tu pourrais me l'expliquer. Je crois que je me souviens de certains trucs, mais... Ça n'a aucun sens. Ouais, pareil. Est-ce qu'on a... été drogué? Peut-être qu'on a été drogué. Par un flic? Ils ont le droit de faire ça? Je l'avais pas tiré dessus. Si, si, mais ça va. Qui, ce type? Le shérif de Northkill, apparemment. Northkill? Ouais. Max! Quoi? T'as regardé la carte, au moins? Hackett's Quarry, à Northkill, c'est la ville. Ah. Ah! C'est la ville. Et c'est même pas le pire. J'ai jeté un coup d'œil à son badge et... Il s'appelle Hackett, comme Chris. Hackett! Donc ils doivent être frères ou une connerie comme ça. Ça sert à rien de lui donner des vêtements, Il va exploser dans environ 8 heures. Enfile ça.
Il t'a donné quoi? Je serai pas la star de la prochaine Fashion Week, c'est moi qui te le dis. Hey, j'ai dit que vous pouviez vous parler. On a quand même le droit de parler, non? Sarcastique, obéissante. Non, c'est bon, au bout d'un moment, sarcastique, Je savais pas qu'on avait besoin de votre permission, inspecteur tête de bite. Ouais, c'est un pays libre, officier, face. De cul. Lui, faut qu'il arrête de parler. Max, il faut pas qu'il suive mes calls, hein. Inspecteur tête de bite est quand même vachement plus drôle qu'officier face de cul, hein, je suis désolé. Moi, je suis team okay, tête grand. De bite. Présente-moi tes mains. Allez! J'aime trop la tête de cet acteur. À toi. On y va. J'irai nulle part, on peut faire ça là. Dépêche. Hé! Oh, ne touchez pas! Allez, bouge! C'est bien. Hé! Arrête de gigoter! Calme-toi, Max. Max, arrête! Tu fais qu'empirer les choses! Laura? Oh, Laura! Qu'est-ce que vous lui avez fait? La ferme. Il abuse, le flic. J'avoue qu'il est pas très doux. Il aurait pu être un peu plus doux, leur apporter un petit café avec des spéculoos. Excellent, les spéculoos. Quelque chose ici qui peut te servir. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici qui peut me servir? Une carte pour la vieille McGonagherg. Tandis que la ville de Northkill s'endort, la folle dans les bois pleure un mort. La folle de Hackett Quarry. Parce que pourrissent les corps, le loup affamé sort, ah, voilà. Et l'implacable shérif rôde encore. Elle ne dresse pas un portrait très flatteur du shérif Hackett. Ce n'est peut-être pas la première fois qu'il enferme quelqu'un abusivement. J'ai l'impression de jouer à Rayman Raving Rabbit. Ferme la bouche. Non, c'est mort. J'ai besoin d'une sorte de levier. La folle, c'est McGonagall. Oui, c'est ça. C'est la folle de Hackett's Quarry. Celle qu'on voit dans les bois, quoi. Ah oui, c'est Rayman Raving Rabbit. C'est un dinguerie. Excellent. Très mauvais jeu. Excellent trèfle. Ça peut le faire. Ah bah oui, en fait, putain. C'est bien ça. Heureusement que c'était dans la cellule. Oh, ouais, ça devrait marcher. Ah, oh, yes. Et qu'est-ce qu'on en branle? Pardon. J'arrive pas à rattraper mon sommeil en ce moment, je suis Dedge by Daylight. Ça a été rapide l'interrogatoire. What the fuck? Eh, faites gaffe, je marque facilement. Arrête ton cirque. T'inquiète, tu vas changer de peau très vite, frérot. Dès qu'on sort d'ici, vous êtes mort, sale connard. Ah oui! Ah! Ça, j'ai pas le choix. Ok. Dès que vous sortez. Craintive, agressive. Mais! Je veux pas la jouer agressive et puis le jeu me force à le traiter de connard. Craintive. On veut bien vous répondre, mais vous pouvez pas nous boucler ici sans aucune explication et espérer qu'on coopère comme ça bien gentiment, ok? Va falloir nous aider, là. Vous n'avez rien pour négocier. Allez! Dead by décalage. Allez. C'est même pas ça le pire. Le pire dans cette histoire, c'est que je m'endors tous les soirs à 23h30, minuit. Bon, hier soir, j'ai fait une petite... J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir jusqu'à environ 1h du mat, mais bon, bref. Et je me lève à 7h du mat? Tous les soirs. Et normalement, ça devrait me faire un rythme convenable. Mais non.
J'étais moins fatigué quand je m'endormais à 5h du matin pour me lever à midi. C'est réel. Mais pas nous laisser là ! Hé ! Mais je suis de meilleure humeur. Revenez ! Ça, c'est bien. Tu fais trop de vidéos trop rapidement, repose-toi. Non ! Là, je fais beaucoup de vidéos parce que j'ai une inspiration de zinzin. Donc j'en profite. Merde. Ça change de quand j'en sortais une tous les deux mois. Je peux situer. Il est con, lui, hein ! Je me lève à 7h du mat' tous les soirs. Ouais, tous les soirs. J'ai dit ça ? Comme quoi ? Comme quoi, hein, c'est vraiment un gros décalage. Hein. Réussir à se lever à 7h du mat' tous les soirs, c'est que je suis vraiment... décalé. Mais moi, je parlais en heure... Bon, merde. Sérieuse, taquine, comment ça s'est passé ? Est-ce que ça va ? Taquine ! Comment ça s'est passé ? Est-ce que t'as tout déballé comme une poucave ? J'avais rien à avouer. Non, je suis sûre que t'as beaucoup de choses à cacher. D'accord, peut-être, mais... Je crois pas que ça l'intéresse de savoir que j'ai copié sur Mickey Washington en contrôle de chimie. Sérieusement. Ça a été ? Il m'a juste posé un tas de questions. Un tas de questions bizarrement spécifiques sur nous, et où on allait, et pourquoi, et comment je me sentais ce matin, et... J'en sais rien. Rien de ce que je disais avait l'air de vraiment lui convenir. Il t'a demandé comment tu te sentais ? Ouais. Pourquoi, pas à toi ? Non. Hein. Chaud. Chaud. Moi je dors plus, je suis en forme. C'est vrai que moi, si je dors plus de 8 heures, je suis éclaté la journée après. Hein. Pourquoi ne pas garder des vidéos en rap pour quand t'as pas d'inspi ? Dans tous les cas, une vidéo, ça me prend au moins une semaine à faire en entière, donc... Oh, et est-ce que t'as jeté un coup d'œil à son badge ? C'est pas vraiment l'inspecteur tête de bite ? C'est Hackett. Officier face de cul. Tu crois que c'est la famille de Chris Hackett ? J'hallucine, c'est le Chris Hackett ? Ouais ! C'est qui, Chris Hackett ? Mais... Eh bah, le directeur du camp, Monsieur Hackett, de Hackett Quarry, tu te souviens ? Tu te souviens, le joueur ? Souviens-toi bien, le joueur ! Putain... Hier soir, ça me paraît tellement loin... Mais ça veut dire quoi ? Tu crois... C'était un piège ? C'est peut-être une sorte... de réseau d'enlèvement... de... je sais pas... moniteur de colo ! C'est... Attends... Quoi ? Oh, frérot, fais un effort. Il a pas le profil d'un kidnappeur. Non, il a pas le profil d'un kidnappeur. Ok, le shérif Hackett a peut-être pas vraiment le profil d'un kidnappeur typique, mais... Il a pas trop le profil d'un flic non plus. Parce que tu t'y connais en kidnappeur. J'essaie simplement de nous sortir d'ici, et j'y arriverai pas tant que j'aurai pas compris pourquoi on est dans cette merde. Je sais pas, et s'il y avait aucune raison ? Quoi ? Mais c'est obligé ! Mais il y a des choses qui s'expliquent pas. Et donc ? On va rester en tôle ici jusqu'à la fin de nos vies, c'est ça ? C'est vraiment Sardoche. Tu trouves qu'il ressemble à Sardoche, Max ? Encourageante, ce n'est pas vie frustrée, positive. Encourageante ! Elle tire les gens vers le haut, elle. Ça va pas durer, Max. Il peut pas nous garder ici éternellement. Il avait pas l'air du même avis. Il faut que tu restes positif. Tu peux pas dire ça. Pourquoi ? Autant se faire une raison, non ? Non, c'est mort ! C'est mort ! Il faut que tu penses au reste de l'été, Max. À la fac ! Je rêve de devenir veto depuis l'âge de 5 ans, et c'est pas cet enfoiré de flic de merde qui va m'en empêcher. Elle va pouvoir s'occuper de lui la nuit, quand il sera en chourse. On va sortir d'ici. Je vais faire mes études de veto, et toi... Ta vie de chourse. Tu vas... Habile. Quoi ? Je vais faire quoi ? Ah oui ! C'est vrai qu'il avait postulé dans une pizzeria et qu'il avait été refusé. La honte. La honte. J'ai vu ton courrier, Max. T'as été refusé au Pizzaplex de quoi tu parles ? De Freddy. J'ai trouvé la lettre de refus de la fac. Elle était dans ton sac. La fac à pizza.
T'as fouillé dans mes affaires ? J'y crois pas que tu m'as rien dit. Et oui, on a fouillé, oui. J'avais honte. Mais tes notes étaient bonnes et ta disserte était super bien. Ouais, mais pas assez apparemment. Mais merde ! On avait nos plans, Max, ça fait chier ! Je sais bien, tu veux que je te dise quoi ? Empathique, je suis désolé, sarcastique, pardon de t'avoir menti. Empathique, sois gentil. Tellement désolé, pas le moment de s'engueuler. Max, c'est vraiment naze. Chemin mis à jour. Ah, sur ça ? C'est pas le pire qu'on ait connu cet été. Désolé. J'aurais dû t'en parler avant. Tu sais que tu peux vraiment tout me dire, hein ? Ouais. Ouais, je sais. C'est bien, on monte la répute. On monte la répute auprès de Max le Chours. C'est bon, on va plutôt essayer de se tirer d'ici, déjà. Cool, quand tu veux. Il faut qu'on reprenne tout depuis le début. Quoi, quand on est parti ? Non, quand on est tombé sur le flic. Donc après avoir vu ce truc qu'on a croisé. Ouais, exactement. Ouais, c'est là que tout a commencé à déconner. Il a eu une réaction trop chelou quand on lui a parlé de l'animal, tu te rappelles ? Oui, c'est comme réel. Comme s'il savait quelque chose. Ouais. Ouais, c'était hyper bizarre. Et si c'était même pas un flic ? Bah, il est sûrement pourri, mais... Mais je dirais quand même que c'est un flic. On est dans un commissariat. D'accord, ouais, mais quand même. Y a personne ici, donc... Quand même ? Ouais, ça c'est pas rassurant. Surtout avec l'histoire du nom à Kate. Je reste d'avis qu'ils sont tous les deux dans le coup. Ok. Donc on a rendez-vous avec Chris à Kate au camp, mais sur place, il y a personne et on se fait attaquer par un truc. Et là, le flic se pointe. Pourquoi est-ce qu'il nous résume le jeu, là ? On a vu, hein. La partie est floue pour moi. Je me souviens des marches et une odeur de chien mouillé. Chien mouillé et... Un collier de chien avec écrit Yann dessus. Yann. Je crois pas qu'on ait été attaqué par un chien. Ce truc était plus grand. Comme une personne. Ouais, adulte. Il s'est bien acharné sur toi. Je suis surprise que t'aies rien de plus grave. Je me souviens clairement avoir vu ses dents se planter dans ta peau. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est. Laura, j'ai pas une égratignure. Quoi ? Ok, question bizarre. Tu te souviens, avant qu'on se perde... Que tu te perdes. Comme même. Ouais, non, d'accord, mais avant ça, je te disais... Waouh, regarde la lune. La luna. Elle est grosse, c'est trop cool de voir la pleine lune au milieu de la forêt. Et toi, t'étais là, ouais, tu sais, Max, ça arrive tous les mois. Ouais, et... Ah oui, la pleine lune. Ouais, bah... Tu sais, la pleine lune. Ouais. The full moon, la luna. Et si... Waouh. La synchro labiale. Okay. Non. Stop. Je dis ça comme ça. Tu sais, peut-être c'était une sorte de loup-garou. Ouah, la synchro labiale de Max, elle est en RTT de fou. Non, mais tu t'en... Ah. Pour parler, sérieux. Un loup-garou, sérieusement non, ah oui quoi. La transition, quoi. Quoi? Bah quoi? Pourquoi tu ris? Parce que j'ai dit exactement la même chose. Ok. Et donc, vous avez rien trouvé de mieux? Moi, j'ai cru que le jeu avait crash. Alien, un vampire. Regardez comme il sourit. Vous allez regarder la tête de Dylan et voir sa tête de demeuré. Alors que le mec vient de perdre une main et il se tape des barres sur le fait qu'il y ait des loups-garous, quoi. Mais bon, bref. J'ai vraiment cru que le jeu avait crash. J'ai eu le somme. C'était juste une transition mal faite. Tranquille. Pire temporel. Il est content. Ryan, ferme-la d'ailleurs. Oh, c'est bien ça, ça fait longtemps que j'ai envie de le dire. Ryan, c'est ça ? Ouais. Ta gueule. Ferme-la, ok ? Ouais, laisse-la finir. Et si c'était pas si fou que ça ? Avec tous ces trucs qui sont arrivés à Nick, et cette chose sur le toit, ok, en fait, ça pourrait même expliquer pas mal de choses. Dylan. Ça va, j'essaie juste de garder l'esprit ouvert. Après, je tiens à dire à tout le monde que
les persos ont l'air un peu... Ils ont l'air encore plus cons que ce qu'ils sont, parce que j'ai regardé un petit extrait de VO, et en VO, ils sont cons, parce que c'est les personnages qui sont comme ça, mais les doublages français font beaucoup, ça rajoute beaucoup de nanar, en gros. Regarde un peu tes histoires de fantômes, c'est pas si différent de ce qu'elles racontent. C'est juste des histoires, mais il y a forcément une explication rationnelle pour tous ces trucs, ce qui nous arrive. Ryan commence à changer de visage. Nettement moins rationnel quand t'as décidé de séparer ma main du reste de mon corps. C'est toi qui me l'as demandé. Et si morsure vous subissez d'amputer, il faut vous presser. Super. Quoi ? T'as fait ce qu'il fallait. Tu vois ? Elle a même un poème dessus. Ça va plus loin que ce que vous pensez. Laissez-moi terminer. Après, je vous laisse décider si vous me croyez ou pas. Je m'en fous. Mais vous devriez m'écouter. Et nous, on n'a pas le droit de voir. Dylan, il plane de ouf. Ah oui, mais totalement. C'est les médicaments, je pense. Les semaines c'est les doliprane. Étaient longues. Le flic nous filait à bouffer et nous faisait prendre des douches, mais à part ça, on le voyait à peine. Max et moi, on a beaucoup parlé. On se remémorait tout ce qui s'était passé cette nuit-là. On échangeait les théories les plus folles. C'est quand même resté 2 mois enfermé, quoi. On parlait du flic, du camp, de l'accident, des bois, du truc dans le sous-sol. Ce qu'avait vécu Max, on ressassait tout ça en boucle, encore et encore. Et rien de tout ça n'avait de sens. Mais on savait qu'il fallait qu'on se tire de là. Je me demande où est passé Max depuis. Merde, j'ai pas vu la date. Quelqu'un a vu la doigte. Je supporte plus cette merde. Quelqu'un a vu la date? C'est pas si mal. Ils bouffent sûrement pareil au camp, tu sais. Non, je peux plus supporter d'être enfermé ici. Ah. Ouais, là je suis d'accord. Il faut qu'on tente un truc, il faut qu'on se tire d'ici. Il nous faut un plan. Arrête pas de dire ça. Mais ça dure, donc... Fais-moi signe si t'en trouves un. C'est pas comme ça que tu vas m'aider, Max. Ouais, non. Y a un détail que t'oublies. Et non. Quoi? Juste un tout petit détail. Je peux potentiellement être un putain de loup-garou, Laura. 12 juillet, c'est vrai ça? Alors quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? S'enfuir vers le soleil couchant jusqu'à ce que je me transforme en horrible monstre et que je te tue et te bouffe avant merci de me remettre à courir seul vers le soleil avec des bouts de toit dans les dents, hein? Ok, stop. Ouais, c'est chaud. Un problème à la fois. C'est vrai, on sait pas si c'est vraiment ce qui se passe et on le saura jamais si on reste ici. Ok. Bon, d'après moi, on a seulement 2 vraies options. On la joue fine et on essaie de l'amadouer. Pour qu'il nous laisse partir? Ou... On tente de le surprendre et on prend la fuite. Ouais, sympathiser. Ok, bon, mettons qu'on arrive à sympathiser. Et après, on brunch ensemble tous les dimanches jusqu'à ce qu'il admette enfin qu'il s'est planté. Toutes les pleines lunes. Non, c'est ça comme ça. Merci. Ce mec n'a rien de sympathique. Une fois sur deux, il nous parle même pas. Je sais pas, je pense qu'on peut l'avoir. Laura, il essaie de gagner du temps jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de se débarrasser de nous. Pour de bon. On devrait essayer. Il faut qu'on essaie. Et puis s'il avait voulu nous tuer, on serait déjà mort. Oui. Alors qu'est-ce qu'il attend, tu crois? Ça n'a pas fait chier à les garder, quoi. Écoute, on va... Si ça marche pas, on essaie de s'enfuir, ok? Ouais. Ok. Bon. Bon. D'accord. Comment on fait pour sympathiser avec lui s'il veut pas nous parler? J'en sais rien. C'est vrai que Max a un charisme. Un truc qu'on peut exploiter. C'est pas comme si on manquait de temps pour y penser. Pas trop là, quoi. Ouais. D'accord. C'est vrai que Max n'a pas le charisme. Hey, de Jacob. Je peux vous appeler comme ça? Pourquoi? Fort. Toi. Tu m'appelles officier Hackett. Hackett?
Attendez, comme dans Hackett Squarry? Mais elle l'avait déjà remarqué devant lui, quoi. C'est juste pour savoir. On vous connaît presque pas. Et c'est très bien comme ça, d'accord? Oh, allez, Mister T, soyez sympa. Y a pas de raison qu'on s'entende pas, hein. Arrête de l'appeler comme ça, bordel à queue. J'en vois au moins 7. Salut à Lyon, bonsoir. Il est où le DLC? Tu parles du DLC à 5€ pour changer de vêtements, là, que j'ai acheté? Il est là, hein, toujours. Les gens l'adorent, d'ailleurs. Heureusement que je l'ai pris. Compréhension. Compréhension. C'est vrai. On va faire le... On n'a pas été cool avec vous et on aimerait se faire pardonner. On va faire un peu de léchage de cul, hein, ce soir. Non. Je suis pas dupe. Bon, merde. Ça marchera pas. Vous croyez qu'on va sympathiser et que je vais vous laisser sortir comme ça? Oui. Ça arrivera pas. Connard! Max! Mais... Je le déteste, hein, lui! On sait ce qui vous fait peur! On sait que Max est un loup-garou! Ah! C'est bientôt la pleine lune, non? Et après? Non, jeune fille. Vous ne savez rien. Bah super, alors. Eh bien, super. Grâce à ce DLC, notre expérience visuelle s'en retrouve totalement chamboulée. Bah, c'était le but, hein. Enlève ces putains de fringues! Je t'emmerde! Recule! Max, qu'est-ce qui se passe? Je vous interdis de le toucher! 28 juillet. Ou 23, je sais pas. Mais oui, enlève les fringues! Tu vas tout saloper, putain! Viens là. Me touchez pas! Assieds-toi. Arrête de bouger. T'as dit que tu voulais être veto? Alors voilà ton stage. Et ben voilà, c'est ce que je disais. Connard! Tu voudras pas le croire. C'était marqué « Lâchez-moi » dans les sous-titres. Bon, je suppose que son connard voulait dire ça, quoi. Oh, si tu le vois pas par toi-même. Ouais, et ben, demandez la prochaine fois, putain. Merde. Approche pas trop. Dis, réponds. Donne ta position. À toi. Merde. Mmh. Je dois terminer un truc ici. Ouais, je vais appeler à l'aide. C'est ce qu'elle ferait, je pense. À l'aide, on est retenu prisonnier au commissariat. Au secours! Je vous rejoins. Terminé. C'était pas très malin. Si. Moi je trouve ça malin, mais après Vous pouvez pas me laisser là! Je t'emmerde. Je vais me gêner. Elle va passer une bonne nuit. Oh, elle va passer la meilleure nuit de sa vie. Par contre, ça doit être super désagréable, en fait, finalement. Tout le processus de transformation. Froide, empathique, empathique. Reste empathique. T'inquiète pas, Max. Je suis là. Ouais. Je sais. Mais il est censé être agressif, là. Hein. Je sais pas. Je me sens pas très bien. Tu veux quoi? Je peux faire quoi? Il fait chaud. T'as pas chaud? Je suis collée à cet énorme tuyau, donc j'ai pas vraiment froid. Approche pas, ok? Tu devrais te mettre plus loin. Il y a pas grand chose que je puisse faire à ce niveau-là. Vraiment. Max? Max, explique-moi ce qui se passe. Silence. Oula, il kiffe pas, hein, il kiffe pas. Hein. Max. Max qui va gagner 100 points de charisme d'un coup. Max. Oh.
L'explosion, c'est toujours quelque chose, hein. Oh! C'est comme ça qu'elle a perdu son œil. Oh, la dingue. Après, elle était pas obligée de s'approcher comme ça, quoi. Et con aussi. Merde! Les musiques du mode streamer sont pas très concordantes avec ce qui se passe, on va pas se mentir. Baby. Voilà, guerrière dinguerie. Adieu la vue en trois dimensions. Vous n'étiez pas obligé pour la punchline nulle. Adieu la vue en trois dimensions. Je vous ai à l'œil. Voyons ce que ce connard de flic nous cache. Super. On peut pas aller voir notre pote ? Ah oui, putain, là c'est le... Ah oui, là c'est le moment où on va fouiller tout le truc pour voir un peu ce qu'on peut trouver de... Plus près la caméra, s'il vous plaît. Encore plus près. Allez-y, mettez-moi dans le personnage carrément. Hein. À la limite, faites un truc en FPS, quoi. Tu l'avais pas déjà streamé le jeu ? Je l'avais déjà fait une fois il y a environ un an et demi. Merde. Va falloir que je me repose. Mais comme j'expliquais, en fait, l'expérience a été tellement nulle à cause de mon PC que je me souviens même plus de comment ça s'est passé. Je sais même plus si c'était bien ou quoi. Pour l'instant, je suis content parce que je redécouvre et j'enjoy. C'est mignon. 56. Ça veut dire qu'il est né en 1965. Il est né en 1965. C'est bon à savoir, ça. Ça, à tous les coups, ça va être pour un code d'ordi, un code de coffre ou un truc comme ça. Un cadenas, peut-être. Je m'en souviens, ça frisait. Ouais, ça laguait à mort. Ça laguait à mort, c'était trop chiant. Parfois, le stream se coupait et tout. Ça doit être avec ça qui m'a endormi. Bah, garde-le sur toi. Je la cacherai dans ma cellule. Très bien. Excellent. Bonsoir à ceux qui arrivent, ça va ? C'est gentil de passer nous voir. Je vous entends les chats, hein. Pleine lune le 24. Anniversaire de Beers. 7 juillet ? 7 juillet 65. Le 7 juillet 65. C'est noté. Maintenant, j'ai plus qu'à trouver un endroit où rentrer un code, quoi. Merci beaucoup pour les 100 bits, Sirocco, c'est gentil. Merci bien. À peine arrivé, déjà dépensé, c'est gentil, merci beaucoup. Je dois m'allonger. La Freezy Edition, ah oui, voilà, ok. Elle doit s'allonger. Hein. Moi, je dois trouver un truc avec un code en haut. Bien sûr. Et je peux pas laisser Max. Je ferais mieux de fouiller, ou de retourner attendre dans ma cellule, sinon. Non, pas la cellule, non, je veux trouver un code. Oh, j'ai trouvé une carte. Comment ça? Ah, putain, je me suis dit, j'ai mis trop de temps ou quoi? Ok, le chariot.
Le chariot! Aux commandes d'un chariot, nous nous sentons en sécurité. Prendre le contrôle se fie à notre détermination pour faire nos choix, c'est courageux et dans certains cas stupide. Nombreux sont ceux qui cherchent refuge dans un chariot, mais parfois ce n'est pas aussi sûr qu'on le croit. Est-ce que c'est une métaphore pour dire que parfois il faut pas se cacher, il faut courir? Peut-être hein, aussi. Hein. Et je parle tout près du micro pour qu'on m'entende bien. Qu'est-ce qu'il cache? Petit pot de beurre. Abricot. Petit pot de beurre, abricot. Je peux rien ouvrir en fait, c'est ça l'histoire. Bon là je peux pas sortir hein. Je vais être ouvert. C'est pas un avertissement pour la conne dans la voiture. La conne dans la voiture. J'ai pas été là, si. Si j'en viens. Non, j'en viens pas. C'est rangé à la va que je te la mette. J'en viens ou j'en viens pas? Je me souviens plus de ce que je fais dans le jeu, moi. Super. Ah! Qu'est-ce que c'est? Oh putain, un insigne, un badge. Celui qui portait ça doit pas être en forme. Ah, il y a des messages qui disparaissent du Paxit. Paxit est pas. Ok. Ce vieil insigne de shérif est sévèrement brûlé. Appartient-il au shérif actuel ou à l'un de ses prédécesseurs? Très bonne question. Très très bonne question. Ça nous avance pas plus, mais très bonne question. Pardon. Excusez-moi. Une pièce. Deux pièces. Trois pièces. Ok, on a tout fait. Pour l'étage, c'est bon. Que... Le shérif, c'est un Uchiwa. C'est une hallucination collective! Ah mais non, mais j'en viens de là. Putain, on entend Max faire des graou-graou, j'ai envie d'aller le voir. J'ai fait ce que je pouvais, j'en peux plus. Il faut que je dorme. Mais casse pas les couilles, je suis sûr qu'on peut faire quelque chose avec sa date de naissance de cul. J'en suis sûr. C'est vrai que c'est fermé. Bon bah je suppose que j'ai fait ce que j'ai pu hein. Là c'est fermé aussi. Bah j'ai fait ce que j'ai pu hein. Je vais aller voir mon ami Max. Max le loup. Agro. Il lâche ses meilleurs hurlements d'ailleurs hein. Mais montrez-nous! Putain, on peut pas mieux voir, je suis dégoûté. Ah merde, putain, oui, ok. Traverser les barreaux, c'est pas facile. Tandis que la ville de North Kill s'endort, la folle dans les bois pleure un mort. Lorsque pourrissent les corps, le loup affamé sort, et l'implacable shérif rôde encore. C'est littéralement l'histoire du jeu, mais j'en déchiffre pas encore toute l'étendue, quoi. Continue à chercher. Je continue à chercher juste pour aller voir ça, là. Bah j'ai bien fait d'aller voir ça. C'est vrai putain, on a la seringue. Mais écoutez, j'ai pas trouvé où rentrer ce putain de code, mais en vrai ça me travaille de fou. Je refais un tour,
On m'en veut pas d'aller faire pipi. C'est le moment. Et dès que je trouve... Enfin, dès que je trouve où mettre le code, je le mets. Et si je trouve pas, tant pis. Je me casse. Mais je suis quasiment sûr que... J'ai trouvé une date de naissance. Tu trouves une date de naissance, c'est pour ouvrir un truc. J'ai pas été ici. Jure. Oh putain. Oh putain, bien joué. Il y a un ordi. Bon, ok, c'est bon, on a trouvé. Bon, ok, pas du tout par là, super. Oh. Oh non, un chat perdu. Anne Radcliffe et Edward Benson. Qui ça peut être? Mais on s'en fout de... Montre-moi le chat. Y a pas quelqu'un qui s'appelle Yann qui a disparu? Armin, Perla, Sacha et Digweed, Edouard, Anne. On n'a pas un Yann quelque part? Arum Skaroum, on connaît Arum Skaroum, hein. Vu pour la dernière fois, Ouais, ici, quoi. Pourquoi il y a autant d'animaux disparus, les pauvres, quoi. Les chats, kidnapping, vente illégale ou vol pour la race, quoi. N'achetez pas d'animaux sans les papiers corrects et contactez la police immédiatement. Trop mignons les chatons. Je m'inquiète plus pour les chats, on va pas se mentir. Ouais, Anne Radcliffe, sans doute la sœur de Daniel, bien sûr. Ils m'ont pris tout ce que j'avais. Tu les touches. Allô ? Hein ? Tu veux dire qu'il y a une vieille qui est au téléphone depuis 45 minutes à attendre que quelqu'un décroche? Juste pour lâcher sa punchline? Et les pauvres toutous, oui bien sûr, on pense fort aux chiens. On embrasse tous les chiens qui regardent le stream actuellement. Je crois que je l'ai le mot de passe. Ça pour un indice, c'est un sacré indice. Mon anniversaire, oui. Bien joué. Putain. Excellent. Alors apparemment, à chaque fois qu'ils commandent des pizzas dans leur bled, ça passe pas. Mais des chasseurs de fantômes en quête de réponses qui se sont... Un épisode du podcast Enquête Paranormale qui aborde les mystères entourant la légende de la folle de Hackett Squarry. Retrouvés à la merci de la folle de Hackett Squarry. Et ils ne sont jamais revenus. Comme nous. Et sauf la partie où ils étaient à la merci de trucs, machin chose. On est plus des inspecteurs de fantômes. Des limiers spectraux? Si tu veux. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, d'après les infos du journal local, le North Kill Gazette, des bottes de foin auraient pris feu pendant la soirée d'ouverture et les flammes se seraient propagées. En quelques instants, tout est parti en fumée, y compris la femme qui menait le spectacle et son soi-disant petit bébé. Ça, c'est intéressant, ça. Pourquoi ça marche pas ? Screamer ? Vous allez pas me mettre un screamer maintenant ? Pitié. Oh, c'est là. Vraiment un bon jeu de con, hein. Ça, c'était gratuit, quoi. C'est vraiment de la peur facile, hein. Ramenez-moi sur les Child's Heart. Ok. Goban Silas, à tous les coups. Bien d'accord. Bon, bah, on va retourner dans la cellule et puis on va taper notre meilleure sieste.
Il a même pas de jeu sur ton PC. Ouais, non, c'est pas ouf le PC du policier. Alors ça, c'est les chiottes, donc pas du tout. J'aurais bien passé le message à la mienne, mais elle tape son meilleur ronflement. Trop mignon. Le chiing. Oh, le chiing. J'ai eu une illumination, je me rappelle de tout et de la fin de l'ancien LP. Sérieux? Mais moi, c'est fou les gens qui se souviennent mieux que moi de ce que j'ai fait. Hein. Allez dormir? Oui. Comment vous faites pour vous souvenir de ce que j'ai fait et que moi, ça ne me soit pas resté en tête? Peut-être parce que j'ai fait tellement d'autres trucs en un an. Oula, j'ai mal au cul. Aïe. Tu vas me dire ce qui s'est passé? Oui, il a du sang sur la gueule, lui. Je peux vous retourner la question. Pourquoi pas fuir? Je laisserai pas Max. Je laisserai pas Max. Je te fais pas confiance pour autant. Je m'en fous. La crème? Je veux juste l'aider. La crème? Tourne-toi les mains contre le mur. Sérieusement? Je suis trop crevé pour me battre. Mais... Merci beaucoup, Sacha Arnie, pour les 3 mois. C'est très gentil. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. La caresse, oh, j'avoue. Moi aussi. Tu te souviens de tout le jeu aussi? Ah ouais. Moi, je crois que mon cerveau a volontairement oublié tout ce qui se passe, en fait. J'étais plus concentré sur mes problèmes techniques que sur le jeu, je crois. Content? Eh oui, parce que je l'ai caché. La seringue. Je vais faire du café. Après, il me fait semi-confiance. Est-ce que je prends la seringue ou est-ce que j'annule le plan endormir le flic? Ah, je sais pas, putain. Merci, Sacharne, c'est gentil. Bon courage pour demain matin. Bonne nuit. C'est quoi? C'est éducatif. C'est fur. Regarde. Qui change de vêtements tous les jours, lui, du coup. Enfin, tous les jours. Tous les mois. Nous sommes le 24 juillet, à 16h. Tu l'as bien nettoyé. Est-ce qu'il va enfin... Ton œil, je veux dire. Devenir cool? C'est plus dur qu'ils le disent dans les manuels. Surtout quand il n'y a personne pour nous aider. C'est vrai qu'elle est censée être infirmière, elle. Enfin, elle voulait être veto. Docteur. Docteur. Pour les animaux, et non. En fait, je le serai sans doute même jamais. On est coincé là pour toujours. Parfois, on pense savoir sans vraiment savoir. Tu me suis? Oui. Non. Vite fait, quoi. Je suis pas... Il faut pas se fier aux apparences. Non, mais ça se voit que t'es pas un mauvais gars, mais... Il va falloir être un peu plus précis. C'est pas un mauvais boug. Max et toi, vous êtes tout autant dans la merde que je suis. Voilà. Ma famille... On voulait pas faire de mal. On veut survivre comme n'importe qui d'autre, tu comprends? Pas vraiment. Moi, je comprends. Je comprends qu'ils sont dans la merde. Une fois pour toutes. C'est une famille de chours. Ouais. Curieuse, qu'est-ce qui se passe avec votre famille confiante? Putain, moi je suis un mec curieux, j'arrête pas de le dire, allez curieux, Nick. Qu'est-ce qui se passe au juste avec votre famille? Ma famille. Family. Est coincée au fond d'appui. Et il commence à se détendre, c'est bon ça. Quoi? La famille est la chose la plus importante qui soit. Exactement. Bien sûr.
Mais si toute ta famille... Enfin, disons... Chaque membre jusqu'au dernier décide de sauter au fond d'un puits et que... Tout le monde s'accroche à une corde. C'est à cause de ça que j'ai commencé en retard, aujourd'hui. Hein, j'ai voulu changer mes disques durs. Le problème, c'est que j'ai eu un petit souci en clonant mon disque dur principal. Ce qui fait que j'ai dû tout annuler et remettre mon ancien setup. Mais dès demain, je changerai de disque dur. Voilà, c'était ma vie. Comment fallait que je donne une explication. Comment une seule personne pourrait tous les remonter ? Bah non. Si tu tires sur la corde, tu risques de tomber au fond du puits avec les autres. Et c'est tout le problème. Alors c'est vous qui... êtes à l'extérieur du... puits avec la corde et... Oui. Ça me semblait évident. Ouais, et oui. Ok, ouais, j'ai compris. Il tire pour sortir sa famille. Laisse de là, tomber. Quoi. Les pauvres. On va voir si t'es vraiment futé. Qu'est-ce que c'est ? Des instructions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lis-le. Lis-le ! Quand dans le ciel la lune est pleine, la bête terrée se fait souveraine. Oui, ok, d'accord, la pleine lune. Les brebis errantes, elle saignera. Ok. Mais les points d'eau, elle redoutera. Mais c'est vrai qu'ils aiment pas l'eau. Si ce dame en vous se révèle, à l'argent tué, l'originel. Quand le disque brille au firmament, soleil, oxyre la source de vos tourments, conjurera votre infortune et le fléau de la pleine lune. Ils auraient littéralement pu écrire un truc du genre « Frérot, bute le loup-garou originel d'une balle en argent dans la gueule !» Et voilà. Pas la peine de faire un poème, en fait, hein, finalement. Bien. Continue. Prendre l'arme. Non. Je sais pas ce que j'ai fait dans ma première run, mais là, je le sens pas. Vraiment pas. Et puis, il commence à se détendre. C'est pas le moment. Faudrait être con, non ? Et si morsure vous subissez, d'amputer il faut vous presser. Pour une chance de sauver votre âme avant que ronge le mal infâme. Ok. Tu commences à voir l'idée ? C'est léger, niveau info. Donc il faut les buter à la balle en argent. Et... franchement, c'est nul. Pourquoi ça doit rimer ? Mais oui, pourquoi faire ? J'en sais rien. Mais c'est tout ce qu'on a sous la main. On tue le loup-garou qui nous a mordus et on guérit. Il faut de l'argent et une nuit de pleine lune. Je vois vraiment rien de bien compliqué. Attendez ! Il faut buter le loup-garou qui nous a mordus ? Mais si on bute le loup-garou originel de base, ça soigne tout le monde, non ? Ou on est obligé de buter celui qui nous a mordu, nous ? Ouh là là ! Si tu peux tuer la bête, et c'est pas gagné. Je veux juste sauver Max. C'est plus dur que tu pourrais le croire. Le source originel. Pourquoi ne pas l'avoir tué ? Ne pas l'avoir tué. Si vous saviez tout ça, pourquoi vous l'avez pas abattu dans le sous-sol quand vous pouviez le faire ? Enfin, c'était... C'est plus dur ? Non, ouais, c'est pas... Parles. Ils sont pas faciles à tuer, je voulais seulement vous protéger. Ah putain, il va se braquer si je suis cynique, je le sens. Non, encourageante. Non, mais je veux pas le braquer en fait. J'ai l'impression que c'est un mec, il peut se braquer assez vite, hein, on va pas se mentir. Alors, c'est quoi le plan ? Ben, c'est là que je compte sur toi. Moi ? Ouais. Avec tes études ? Elle a pas fait d'études en chours, hein. J'ai même pas commencé. Ouais, pistolet à eau, ça peut marcher.
Je chasse ce putain de loup blanc au clair de lune depuis si longtemps que je me demande s'il existe. Loup blanc. Mais si ça se trouve, il y a un autre moyen. Quoi que tu en dises, la science doit aider. Et ça, c'est ton rayon. Il cherche le loup blanc, en fait, pour le buter. Le loup originel. Écoute, prends le temps de réfléchir à tout ça. Je reviens demain matin. La science doit aider. On est déjà demain matin ? On est déjà demain matin, là ? Ah non, il est passé à la... Il est passé à la... Oui, d'accord. Il est passé à la... Il a pris le temps de discuter avec Laura, mais alors Max, il lui a juste laissé une vieille fiche de merde. Hein. D'un côté, je le comprends. Max... J'aurais pas cru un mot de ce qu'il a dit si j'avais pas... Si j'avais pas vu ça. Ah, il a peut-être vu une tablette où il se transformait. Résigné. Elle est résignée. Moi, je crois. Exactement. Tu vas pas me dire que tu lui fais confiance quand même. Ah bah c'est bon, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je le croyais pour les loups-garous, pas pour la science. Je sais pas ce qu'il espère. C'est un pourri qui enlève des gens, Laura. On devrait se méfier de tout ce que dit ce connard. Mais putain! Il s'est transformé deux fois en loup-garou, ce chien. Qu'il crève. Hein? Il a eu sa chance d'arranger ça. On va sortir d'ici et régler ça nous-mêmes. Mais non. Mais je farme depuis 30 heures. Ouais. Pour pas sortir par la force. J'ai vu ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait à ton œil. Ouais, c'est pas cool, frérot. Ouais. C'est grave. Ouais, plutôt grave. Je suis désolé. C'était pas toi. Enfin, si c'était toi, mais tu contrôlais. C'était pas toi. C'était pas toi. Je sais que c'était pas toi. Je sais. Mais quand même. Mais quand même. On va te soigner, Max. Promis. Je vais te soigner, Nezuko. Je te le promets. Mmh. 10 août. Oh, Chris. Oh, Chris. Monsieur H. Il a dit que t'avais trouvé une voiture abandonnée. Il y a un moment, et j'en ai déduit le reste. Et merde. Pourquoi ? À ton avis, Chris. Jean Mixage. Ils sont encore là, mais tu débloques. Hé, Tali, qu'est-ce que tu branles ? Chris, qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? C'était quoi ? Ah, putain, c'est Chris qui nous a mordu ! Oh ! Tu m'as tiré dessus. Maman va te tuer. T'as eu de la chance que ce soit pas de l'argent. C'est quoi le plan ? Tu peux pas les garder comme ça. Je vais m'en occuper. Si t'avais fait ton boulot, ils se seraient peut-être pas retrouvés au camp. T'y penses à ça ? C'était Chris qui était dans la cave au tout début du jeu. Donc Chris, c'est un chourse. Si j'avais fait mon boulot, vous seriez tous en tôle. T'y penses à ça ? Ça, c'était Bobby et Caleb, et tu le sais. Les randonneurs et cette... Fouine de journaliste. Oh, Travis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Non, je croyais qu'on devait tous se serrer les coudes. Fais chier. Viens dans mon bureau. Ça va, le son des voix est pas trop baissé encore par rapport à tout à l'heure. Max. Ah voilà. Max. Qu'est-ce qu'il y a ? Je comprends, Ilva. Travis était dans le couloir à parler, le flic. Et ? Avec Chris Hackett. Il est venu nous faire sortir ? Non. C'est le loup-garou. Max, c'est Chris Hackett qui t'a mordu quand on était dans le sous-sol. Et Chris le chourse. Putain de merde, c'est...
C'est pas possible! En même temps, quand on y pense, c'est logique. Ah bon, tu trouves? Bah, tout concorde. La voiture de Chris était au chalet ce soir-là. Travis voulait le protéger. C'est pour ça qu'il nous a suivis et qu'il a pas tué le loup-garou dans le sous-sol. C'est parce que c'était son frère, putain, mais c'est ça! C'est Chris qui m'a mordu, alors... Au but, c'est Chris. Ouais, c'est notre remède. Eh oui, super. C'est comme ça qu'on te soigne. Putain, Laura, tu penses à la même chose? Eh oui. Il faut buter Chris, inquiète. Demain, on va sortir de là. Je vais prendre le flingue de Travis et tuer Chris Hackett. Elle pleure de l'œil mort. Trop bizarre. Hé hey, à l'aide! Laura se sent mal! Laura? Ça me dégoûte. J'ai jamais Laura, voulu sortir par la force. Ça te dégoûte. Non, de Dieu. C'est quoi ce bordel? Laura! Oh! Ça fait chier, mais bon. Tant pis, hein! Ouais, merde, comme tu dis, frérot. Pas de bol. Pas de bol, mais bon, au moins on sort quoi, mais bon. Moi je voulais faire copain-copain, je voulais pas faire ça. La frustration m'avait fait faire une grosse connerie, mais j'expliquerai plus tard, ok, ça m'intéresse. C'est presque à y croire. Je devrais peut-être envisager de faire du cinéma. Je n'irai pas jusque là. On devrait filer tant qu'on peut. Allez hop. C'est du propre. Je sais pas à quel... Je sais pas à quel rythme on peut finir le jeu, mais peut-être que demain on fera pas le chai là et puis on finira. Où sont nos affaires? Finira ce quarry. On cherche des balles en argent. Il doit en avoir ici. Ouais, des balles en argent, ouais, de fou, ouais. Grave de fou. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre quelqu'un. Il est là. Ouais, si, il y a quelqu'un. C'est la folle de Hackett's Quarry, tranquille. Ça vient de derrière la porte. Tout est de leur faute. Tue-les tous. Petit screamer ? Balles en argent. C'est trop chelou. Il les fabrique. Ah ! C'est quoi ? Des cartouches. Il les remplit d'argent. C'est bien ça qu'il faisait. Il chassait. Vraiment des gens qui savent pas quoi faire de leur fric. Bon, du coup, j'ai plus besoin de ce truc-là. Hey, bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Je viens de me rendre compte. On est libre. Pas tant que Chris vivra. Ah merde. Je la refais. Pas tant que Chris vivra. Non, Max. On sera libre quand Chris Hackett sera mort. Mais là, il n'était plus stylé. Et je crois qu'il nous reste peu de temps. Je sais, c'est vrai, mais... Ça reste une petite victoire, non? On fêtera ça une fois tranquille. Il faut qu'on aille à Hackett's Quarry régler le problème. Ce soir. Tonight.
tonight. Gonna have myself a real good time. Bon, mais par contre, Max, il va pas nous accompagner parce que ce serait con d'amener un chours avec nous. On est d'accord. Je suis arrivée là, au camp. J'ai déposé Max sur l'île. Je me suis dit que c'était le plus sûr, avec l'eau autour, tout ça. Voilà, c'est toute l'histoire. Surtout, parlez pas tous en même temps. Dinguerie. Attends. L'île, genre notre île à nous? Tu veux dire l'île du lac? Ouais, pourquoi? Ben, Jacob, il est allé chercher Emma là-bas, mais il est pas encore revenu et elle non plus. C'est tendu pour les deux, on va pas se mentir. Après, c'est tendu pour tout le monde, là. Hein. Honnête, ils sont plus là, rassurante, ça devrait aller. On va pas la faire trop blasée non plus, hein, rassurante. Bon, du moment qu'ils cherchent pas à fourrer leur nez là où il faut pas, ça devrait aller. Fourrer son nez là où il faut pas, c'est... le surnom de Jacob, c'est vraiment la merde. Ouais, c'est la merde. Nique les yeux, ça. Quand vous m'avez vu à la piscine après que j'ai tué Chris... je suis retournée sur l'île en pensant que Max serait redevenu normal. Mais... après que j'ai tué Chris? Mais non. Elle a tué Kylie, elle a pas tué Chris. Ah, parce qu'elle a cru que c'était Chris? Ah ouais, mais non, hein. C'était pas Chris, du coup, c'était sa fille. Un manque de bol. Les petits lacs de changement de scène, c'est tranquille. Et ouais, non, c'était pas Chris, hein. Du coup, tu vas retrouver Max, mais Max, il sera changé en chours, malheureusement. Et oui! Je sais pas si vous avez vu le réel que j'ai mis du coup sur Insta, mais ça m'a fait rire de constater que je suis exactement aussi con que l'année passée, quoi, pour le jeu. Ça change pas, il y a des choses qui changent pas, hein, tant pis. Si je refais le jeu en 2024, je ferai la même réflexion, je Max. Pense. Humour nul. Là, ça va mal se passer, par contre, hein. Parce que elle a pas tué le bon, donc... Max ? Et non. Mais du coup, c'est Max qui a attaqué Emma. Max ! Léo ! Non, c'est pas fou, hein. Ouais, non, c'est pas fou. Comment elle rivalise au corps à corps? Mais comment, hein? Elle est restée enfermée dans une cellule, elle a pas pris des cours de combat, hein, entre temps. Bizarre. Et n'importe qui se serait fait déchiqueter le cul, hein. Et oui, malheureusement, c'était pas Chris. Max a plus de charisme comme ça, hein, je tiens à le dire. Hein. Max est vachement plus stylé comme ça. Hein. Devrait rester comme ça, d'ailleurs. Donc, le loup-garou que j'ai tué, c'était pas Chris. C'était sa fille. Pas un loup-garou, c'était Kaylee Hackett, la fille de Chris. Quand j'ai tiré dessus, c'était pas elle. Peut-être, je sais pas, qu'elle est redevenue normale après, quand j'étais sur l'île. Mais attends, pourquoi Max t'a pas tué alors? Ah merde!
Ah merde! Alors... On va se la jouer sincère, hein, comme depuis le début du jeu avec Laura, on va montrer hein, qu'on est dans la merde. J'ai pu lui échapper. Il faut que j'en finisse. Je te déteste. Il nous reste peu de temps. Je déteste Ryan. Oh, il m'énerve. Bonsoir, c'est Punchy's Art. Oui, c'est vrai que j'ai prévenu sur Insta, mais je suis pas loin de la fin, donc autant finir The Quarry plutôt que de faire une pause jusqu'à dimanche. Oh, la tête. Bonsoir. Salut Fly, ça va ? C'est notre petit dernier. Le petit dernier, c'est Nick. Ça sent bon, hein. Mange un bout. Allez. Abruti d'animal. Super. Bon, Nick est en cage. Électrifié. Donc d'un côté, tant mieux. Oh, merde, lâche-moi. Lâche-moi, ah, c'est vrai moi, qu'il... putain, laissez-moi partir. C'est vrai qu'il en est là, lui. Suppliante. Menaçante. Je vais appeler les flics. Relâchez-moi. Il est tellement con qu'il serait capable de dire « Lâchez-moi, je vais appeler les flics. » Mais là, il est plus dans un mood suppliant. Laissez-moi partir, ok ? C'est pas de ma faute, il s'est parti en couille. Ça va rien changer. Je vous en supplie ! Mais pourquoi vous dites rien, putain ? Oh, oh, oh ! Est-ce que c'est de l'argent que vous voulez ? Hein ? Parce que mon père, il en a tout un tas de fric. Enfin, pas vraiment. Mais il en trouvera. Enfin, j'espère. Pitié ! Laissez-moi partir, pitié ! Parfois, il est marrant. Je suis tellement désolé. En fait, le problème, c'est que même si vous êtes des gens cool, vous vous comportez comme des connards, donc ça nous aide pas, quoi. Pas obligé de le prendre par la gorge non plus. Et de deux, Bobby. Il a raté son jet de charisme. Hein. Et de deux. Je pense que ce qu'ils veulent faire, c'est les foutre en cage jusqu'au lever du jour, quoi. Ils ont raison. Là, on a Nick. Oh, Nick aussi, il est stylé comme ça. Ils ont tous plus de charisme en chours. C'est quoi cette musique ? Ils sont tombés amoureux. Ça a été le coup de foudre. Musique démonétisante, oui, bah ça. Après, les chours, ils sont stylés, mais ils feront jamais autant peur que les Wendigo de Until Dawn. Vous aimez bien fouiner, je vois. Vous mettez votre nez là où vous ne devriez pas. Ne croyez pas tout ce que vous entendez. De quoi je me mêle ? J'ai pas de carte en plus. Bref. Nous y revoilà. Voyons ce que vous m'avez apporté, d'accord ? Regarde. Oh, j'ai une carte ! Oh putain ! Ah oui, le chariot, j'avais oublié le ça. Le chariot ? Oui. Aux commandes d'un chariot, nous nous sentons tous en sécurité. Prendre le contrôle, se fier à notre détermination pour faire nos choix, c'est courageux. Et dans certains cas, stupide. Nombreux sont ceux qui cherchent refuge dans un chariot. Mais parfois, sans qu'on sache pourquoi, ce n'est pas aussi sûr que ce que l'on pourrait croire. Et l'éternelle question qui revient. Me laisserez-vous vous en montrer plus ? Non. Comme vous voudrez, mais ne venez pas vous plaindre après. T'inquiète, je gère absolument tout. Nous nous reverrons encore plusieurs fois avant que la nuit ne touche à sa fin. J'en suis ravie d'avance.
tant que vous suivrez la bonne voie, bien sûr. Elle est vachement plus gentille avec moi qu'au début. Je me demande pourquoi. Pourquoi faire ? Chapitre 8. Ok, cool. Le ventre de la bite. C'est y part. Où est Chris Hackett ? Ta gueule. Super. Les gars, elle a tué Kaylee. On va pas encore remettre ça. Autoritaire, perplexe. Perplexe, abruti. Kathleen, je fais quoi ? Oh, waouh, visiblement, t'as une âme de leader, toi. J'ai dit ta gueule. Non, pas question, je refuse d'être impliquée. T'es tout seul, mon pote. Mais bon, pense à tout ce qui s'est passé cette nuit. Je dis ça, je dis rien. Incrédule, intrigué. Intrigué. Attends, t'as vraiment entendu une femme pleurer quand t'es parti ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu sais ? C'est l'histoire de fantôme qui nous a raconté, hein ? La folle de Hackett Quarry. C'est pas une histoire de fantôme, c'est une histoire de monstre. Elle est réelle et vous êtes tous dedans. Ton bracelet. Suspicieux, agressive. Est-ce qu'on l'a fait suspicieuse ou agressive, Ryan ? Plutôt suspicieux, hein. Qu'est-ce que tu fous ? J'essaie de vous aider. Qu'est-ce que tu vas branler avec ça ? Dans le pire des cas, ça te donnera une chance de t'en tirer. Et ça les tuera ? Pour de bon ? Quoi ? Ouais. Mais si c'est Nick ou un autre ? Comme j'ai dit, dans le pire des cas... Chemin mis à jour. Ryan, attends. Pose-moi ce truc avant de blesser quelqu'un. Elle a mis son bracelet en argent dans une cartouche ? C'est pas con. Je continue de trouver le développement de Laura éclaté au sol, hein, je suis désolé. Hein. Le personnage est super stylé, mais ça n'a aucun sens qu'elle soit super stylée comme ça, genre... Parce que... Elle est restée 2 mois dans une cellule, elle s'est fait arracher l'œil, et en 3 jours, c'est devenu un commando spécial, genre... chelou un peu. Bon, allez. Où habite Chris Hackett ? Quand il est pas au camp, je veux dire. Elle est vétérinaire à la base. Hein. Enfin, elle veut devenir vétérinaire. Donc. Mauvais, tu peux toujours courir prudent. Prudent ! Il m'énerve de fou à se braquer tout le temps. Qu'est-ce qui te fait croire que je le sais ? Vous êtes bien moniteur, non ? Vous avez passé 2 mois ici ? Il est pas au sous-sol et j'arriverai à rien en le cherchant au hasard dans les bois. Il me faut un point de départ. Je crois que c'est la maison flippante derrière la forêt. Hey ! Tout est flippant. Absolument tout est flippant depuis le début. Hein. Sarcastique, empathique. Et peut-être un autre moyen, tu n'as pas envisagé de ne pas le tuer ? Bon, là, ce serait plutôt empathique. Écoute, il y a peut-être un autre moyen. T'y as pensé à ça ? Je viens de passer tout un mois à réfléchir qu'à ça. Oui. Bon, quand le soleil se lèvera, je pourrai rien faire jusqu'à la prochaine pleine lune. Et Max non plus, ni tous les autres qui ont été mordus. En quoi c'est notre problème ? Pourquoi tu demandes pas à tes copains dans les bois ? Et puis n'oublie pas Nick. Okay, il a vraiment si dit en quoi c'est notre problème ? Vous jetez un seau d'eau. Ryan, faut qu'on sorte d'ici. J'ai plus beaucoup de temps. Si je trouve pas Chris Hackett, alors des tas d'autres gens vont être blessés. Je viens avec toi, hein ? Ouais, tout pareil. Amicale. Agressive. Amical, sois un peu amical, frérot, t'as la même tête depuis le début du jeu. Je viens avec toi pour te prouver que Chris Hackett a rien à voir là-dedans. Il voulait qu'on reste à l'intérieur ce soir, il voulait nous sauver. Je me fous de ce que tu crois. C'est moi qui m'en fous. Ta gueule. Bon, fais comme tu veux. Aïe, 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 aïe. T'as bien vu avec Nick, on l'a mordu. T'inquiète, tout va bien se passer. La voiture que t'as prise.
Elle est où? Au fond du lac. Pourquoi? C'était une voiture de flic volée. Tu vas devoir essayer de réparer le minivan. Vous devez partir. À une main. T'as combien de temps? Bien sûr. Une heure ou deux, j'en sais rien. C'est pas vraiment une science exacte. Alors faut qu'on se bouge. Eh bien, allons-y en... Je sais même pas combien il y a de chapitres en tout, je crois qu'il y en a 10, si je dis pas de bêtises. Bonsoir à ceux qui arrivent. C'est bien ici, The Quarry. 1h30 du mat, 23 août. T'es bien sûr que c'est par là? Pratiquement, ouais. Pratiquement ou totalement? Tu m'as pris pour quoi? Pour un guide? Suspicieuse ou curieuse? Suspicieuse. Je me sens pas là. T'as une idée en tête? Non. Essaie pas de me faire perdre du temps. J'essaie pas. J'aime pas Ryan. Y a vraiment un truc qui pue avec Ryan. Plus on traîne par ici, plus on sera en danger. Dis la tueuse. Ouais, ce serait quand même vachement plus agréable si tu te détendais. C'est quoi ton problème? Je suis pas une tueuse, sincère, j'ai passé un été pourri. Sincère. Sincère, il faut être sincère un peu, parce que s'il se bouffe la gueule tout le long... J'ai passé un été pourri. Ouais, bah... Ce qui te tue pas te rend plus fort. Ah oui, ça on Qu'est-ce le voit. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, je... T'es encore en vie, en fait. Y a besoin de blesser personne. À trop mettre de coups, on finit tous KO. Désolé. Je fais pas ça pour me venger. Je veux sauver Max. Tu fais tout ça pour un mec? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Le laisser comme ça? Je lui dois bien ça. Comme j'ai dit, j'ai passé un été pourri. Ok. La Luna. C'est qu'une fois par mois, la pleine lune? C'est là, le manoir Raquette. Raquette. Alors comme ça, il vit dans une baraque de gros bourges avec sa famille de cutéreux au fin fond des bois. Regarde-moi ça. Non, mais c'est là que vit sa mère, je crois. Sa mère qu'on vient de voir. Mais hein. Si on veut des réponses, c'est sûrement là qu'il faut commencer. Mais, attends, comment on y accède? C'est-à-dire? Comment on accède au manoir? C'est simple comme question, hein, en vrai. Ça, c'est une très bonne question. Il n'y a qu'à pas y aller. Ah, furieuse, de quel côté es-tu? Empathique, je comprends, c'est ton ami. Moi, je serais d'avis de partir sur furieux parce qu'il me saoule. Mais si on veut réussir, il faut qu'on s'entende, en fait. On n'a pas le choix, hein. Écoute, je sais bien que Chris est ton pote. S'il y avait un autre passage, je te le dirais. Ok. Ouais. Laura, Chris est un type bien. C'est on pas sent... une question de bien ou de mal, voilà, c'est ça, et en comment fait. Comment tu peux en être aussi sûr? Si je laisse ma conscience s'en mêler maintenant, tout sera encore bien pire pour tout le monde. Crois-moi, s'il y avait un autre moyen, j'en serais ravie. Et où est-ce que tu vas? T'es pressé, tu te souviens? Il doit y avoir un autre moyen de traverser. Je te tiens! Fais gaffe, ça va lâcher! Comment ça, je te tiens? Oh! Et qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Putain de merde! Est-ce que ça va? Laura? C'est vraiment con! Ah oui, c'est vrai qu'elle aime pas l'eau, du coup. Ah oui. Mais les points d'eau, elle redoutera. Ouais. Oh mon Dieu, Laura. Ah, elle a soigné déjà. Putain, le bordel de merde. Ouais, ça va être compliqué la suite. Attends, vois. Qu'est-ce que tu fais? Du calme, regarde. Oh putain. Et en plus, elle a les yeux jaunes.
comme The Witcher. Grands yeux, mère grand. C'est pas le moment de rire. Oh merde! Par contre, c'est trop cool. Tu vois du jaune dans mes yeux? Non! Je sais pas trop. Merde. Bonsoir, Manu Orion. Pas beaucoup de temps, apparemment, hein. Je vais voir si je mets pause. Oh, ils ont pas pensé à ça. Oh, oh. Dommage. Ce serait bien que... Ça remonte sûrement à la carrière. Laura se transforme pas. Ces vieux outils rouillés sont un vestige du passé industriel des Hackett avant la fermeture de la carrière. Voilà, c'est bon à savoir, quoi. Sandek. Plus personne descend jamais. Avance, avance. Bon là, c'est un peu tendu, hein, on va pas se mentir. À tout moment, elle se transforme et lui, il meurt. L'avantage, c'est qu'on se fait pas attaquer par des chours, normalement. Quand on en est un. T'as entendu ça ? C'est elle. Salut Astial, bienvenue. Oui, c'est un jeu à choix. Quête Squarry. Et on est quasiment à la fin. On dirait qu'elle veut nous avertir. Ou nous guider. Plutôt guider, je dirais. Hein. Depuis le début, elle dit tuer les tous. Je pense qu'elle parle des chours, hein. Surtout que la vieille nous a jamais vraiment agressé, quoi. Sauf sur l'ordinateur, mais... Je crois qu'on nous a entendu. Ça, c'est con ça. Non, c'est pas possible. Cet endroit n'est pas du tout aux normes. Bah, si les normes, c'est tout doit être à deux doigts de s'effondrer, ça correspond plutôt bien. Il faut qu'on continue. Il a souri. What the fuck, les amis. Salut Phoenix, bonsoir. Attention, putain. Alors Ryan a souri. Bizarre. De plus en plus bizarre le jeu. J'aime pas les plans rapprochés comme ça, ça me stresse. Je suis pas tranquille. Hein. Non mais regarde-moi ça. Des fois, j'oublie qu'il faut que je joue aussi. C'était bizarre le sourire, là. Je dirais pas non à un bon burger, là, tout de suite. Arrête tes conneries. Burger, t'es sûr ? Merci beaucoup, Amo. C'est gentil. Très sympa que tu les fasses aussi vite. Bah, tant que j'ai de l'inspiration, je les sors, hein, mais après... Là, par exemple, pour la prochaine, je sens que j'ai un petit freinage. Mais ça va revenir, hein, tranquille. Tranquille, on... Oh la vache, c'est haut. Wow. Toujours des commentaires pertinents. Merci Ryan. Sacrée descente. Merci Laura aussi. Bah il est passé où d'ailleurs ? Il est là. Y'a un truc que je pige pas. Comment ça? Ton petit numéro de solitaire ténébreux, là, ça colle pas vraiment avec le « j'adore mon directeur de colo ». Donc je rentre pas bien dans ta case, c'est ça que tu veux dire? Elle a plus les œufs, les yeux jaunes, c'est bizarre. Patiente, c'est pas ce que j'ai voulu dire, curieuse. Curieuse? Et c'est quoi, au juste, cette case? Rien, oublie. Tu fais toujours ça ? Quoi ? Commencer à parler avec quelqu'un et puis te renfermer immédiatement dans ta coquille ? J'ai peut-être juste plus envie de te parler. Oh, non, wow, ce sera pas Mordou. Sympa ! Je suppose que t'es célibataire ? Ouais, pourquoi ? Comme ça. Habile. Habile. Par là, il y a de la lumière. Oh, Toko. Ouais. Ou bien tu peux rester là, comme tu veux.
Ok. Je vois que tu manges bien tes épinards. Alors. Mais c'est pas le moment de rire. Tu vas en premier dans ce tunnel à moitié effondré ou j'y vais? Moi j'enverrai la chourse en première, hein, vu que c'est la plus résistante des deux, quoi. Oh, on a trouvé une carte, excellent. La roue de la fortune. Après tout, la fortune n'est qu'une roue qui tourne sans fin. Parfois, il faut prendre des risques. Le karma est mystérieux, mais il sourit à ceux qui sont attentifs. Regardez bien. Même si la roue tourne, un œil averti saura quand elle s'arrêtera. La roue tourne va tourner. Normalement. Ça s'annonce bien. Ça fait réfléchir, de fou. Ça fait réfléchir. Hop, 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 hop. Attention, ça pique. Merci, ça va. On a trouvé de quoi s'amuser. De l'alcool, la prohibition. Des tunnels de contrebandiers. Oh la dingue! Ça veut dire que cet alcool a presque 100 ans. Il doit être encore bon. Bon? Millésimé. Alors les Hackett étaient contrebandiers. Logique. Après la carrière, ils ont dû se diversifier. Habile. Allez, on verra ça plus tard. Une carte de tarot. C'est ça. En gros. Tu crois qu'on y est? Je sais pas, je suis complètement perdu là. Il est du père. Ouais, pareil. On y va? Pas le choix, hein, de toute façon, faut avancer. Hein. Ah!